Hello YouTube, hello le stream, la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Valhalla. Nous enchaînons avec la quête installation. Que se passe-t-il? Sigurd compte partir lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini. Le Repton Ice Tea. Je peux venir tout de suite. Pardon. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnerait Eivor. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Dag, à un moment donné, va péter les plombs. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Ouais, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va péter les plombs à un moment donné, parce qu'il est trop traité faire comme un sbire, quoi. Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. C'est pas gentil. Et encore des points de compétence, c'est terrible. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me Oula, saison de Yule. Un délicat manteau neigeux est tombé sur Ravensthorpe et les jours sont courts et sombres. Votre clan a décoré la colonie et organisé les festivités traditionnelles de Yule. Afin d'entretenir le moral, joignez-vous au festin et profitez de la chaleur de l'hydromel de Yule. Ah, mais c'est peut-être un événement par rapport à la sortie du jeu et les fêtes de Noël qui arrivent. Faire quelque chose. Ça, c'est mieux. Cool. Je te promets les plus belles bêtes. Une écurie animée serait la bienvenue ici. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, je lui parle pas parce que de toute façon j'ai pas les ressources, donc ça sert à rien d'enclencher son script. Par contre, nous avons la... conclure une alliance en Angleterre. Comment ça? C'est la quête principale? What? Ah, 15 jours. On a 15 jours pour faire ça. Je vois le temps qui défile, ça me stresse. Bon, on a plein de quêtes en fait. Mais c'est quoi ma main quête principale là? Merde, c'est pas la compétence. Bah si, compétence d'ailleurs. Compétence, on a deux points. En quoi on va les appliquer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui nous intéresserait rapidement? Ça c'est quoi déjà? La fouille automatique, c'est vrai que la fouille automatique c'est glamour. Tire dans la tête. Ah, des dégâts supplémentaires dans la tête, ça me parle. Ouais. Allez hop. Ouais. Bon, par contre, je suis très curieux de voir. C'est quoi ça? Parler à Ranvi. Eh ben voilà. Oui, pour les alliances. Il fallait faire ça. Bon, après, je vous garantis pas que cet épisode sera full quête. Hein. Y a plein de choses qui se passent. J'aimerais bien aller faire peut-être un pillage. Vraiment améliorer le camp rapidement. Je pense que ça serait vraiment le bon bail. Et bah, papillonner, quoi. Aller choper des trucs, quoi. Comme d'hab. Tu désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances solides avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrai te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? Deux possibilités s'offrent à nous.
rejoindre Sigurd dans le Leicestershire, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Britshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. J'aimerais voir la carte des Alliances. La carte des alliances. Pour que la colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances. Convoitez un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Au fil des engagements et des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. D'accord. Mais dans l'absolu, je peux faire des alliances avec tout le monde. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercie, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. D'accord. Ah ! Ben en vrai, je trouve pas ça déconnant dans le principe que oui, on va suivre Sigurd, là, surtout pour le début. Donc bon, on détermine ça comme ça. Après, c'est pas dit que là on y aille vraiment là direct. Hein. On va essayer de se faire un petit chemin et tranquillement progresser. D'accord. Donc on peut pas tous les faire en je mode freestyle. Faut les faire dans l'ordre. Je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Ouais, en fait, quand je dis faut les faire dans l'ordre, c'est surtout qu'il faut les... Faut choisir, en fait. Faut faire un choix et ensuite y aller. Ok. Bah, c'est cool. Donc, c'est à 3 km. Mais... Bon, déjà, on voit qu'on a un petit loot ici. C'est là-bas! Ok, donc ça veut dire que potentiellement... Ah ouais, mais j'aimerais bien... Mais déjà, la El Famoso cible, j'aimerais bien aller la checker. Surtout que, bon, on a un pillage ici à faire. Donc on pourrait... Ah ouais, mais non, mais la puissance est trop pétée pour moi. Ah ouais... Bah sinon, au pire, on a l'autre cible, hein, qui était genre par là. Ça serait cohérent. Ah, je peux pas faire d'autres pillages, j'ai pas la puissance. Je vais me faire déboîter le fion si j'y vais. Bon, on a un coffre ici. On a le point de synchronisation. Moi, ce que je vous propose, on va prendre le bateau, tranquillement. Enfin, je vais d'abord récupérer ça. On va se téléporter pour arriver au bateau. On va avancer tranquillou. Et on va passer par là. S'avancer. Bon, c'est vrai qu'on a le point de synchro. Ah, ce serait peut-être intéressant de faire ça, le point de synchro, et de se téléporter au bateau pour... Ouais, on va faire ça plutôt. Ok, bon. Ouais, c'est vraiment à côté. La petite cascade derrière, j'avais pas vu. Comment t'as ? Merci. Mais c'est la hype quand même. C'est en dessous. Je déteste ma vie. Bon, le cheval, tu vas rester là. Chardon, d'accord. Peut-être pour une quête. Mais. Non. Ah mais oui, mais on a l'atterrissage, oui. Eh oui, mais attends. Vu que ça passe sous la flotte. Dis-moi que c'est ok quand même.
Ça a rien fait. Oh là là, mais vraiment. Ça commence. Mais j'aime bien ce petit côté... pas énigme, mais voilà. Le fait d'utiliser les objets de notre environnement pour... Ouais, mais là, je suis juste beaucoup trop près, c'est un scandale. Bon, alors je ne sais pas à quoi sert le chardon. Mais je le ramasse. Message sur un cadavre, cafard. Comment ça? Bon, bah j'ai le coffre. Oh, et l'huile qui se répand dans l'eau, donc ça veut dire que potentiellement je peux l'enflammer. C'est stylé. En tout cas, l'effet visuel est stylé, à voir l'effet que ça fait, mais... Bon, bah du coup, direction le nord. Là, d'ailleurs, on va faire un truc tout de suite. On va pinguer Michel. Voilà. Et on fera l'autre plus tard. Ouais, et puis j'ai aussi le stress de me dire qu'on a 15 jours pour la quête événement. Donc potentiellement... Ah, et là on a une... Ok. Des choses qui apparaissent petit à petit. Mais oui, on a 15 jours pour faire cette fameuse quête événement et j'aimerais bien aller au bout, en fait. Et j'espère que je pourrai, j'aurai le temps. Bon, en vrai, le cheval, c'était pas forcément une bonne idée. On annule tout. On y va à pied. Bon, après, au pire, je peux gambader tranquillement à pied et puis... pour aller chercher le loot sur la côte et appeler le bateau à cet endroit-là. C'est faisable aussi, ça ira peut-être même plus vite. Vu que je serai a priori bien placé. Putain, c'est beau. Oh oui, petit panorama. J'aime les panoramas. Oui, tu peux le faire. Oh putain, l'épreuve quoi. La semaine dernière, tout n'était que rire, chant, feu et senteur de cochon de lait grillé. Quelques jours plus tard, il ne reste que le trottinement des lapins et le croassement des corbeaux qui mangent les restes. Je ne vois plus que des fumées éparses et quelques braises. L'armée des fils de Ragnar est partie. Beaucoup ne verraient ici qu'un lieu abandonné et laissé en ruine, mais... pour un forgeron, ce paysage désolé abrite des trésors. Je vais rassembler les outils et les armes laissées ici et les apporter à Père. Nous vendrons ce qui peut l'être et ferons fondre le reste. Je hais les Danois pour ce qu'ils prennent, mais je les aime pour ce qu'ils laissent. C'est beau. Oh là là, oui. Oh oui. C'est grand. C'est grand. Saut de la foi. Saut de la foi. Eh bon, on va aller faire cette petite quête événement là. Petit check de carte, sait-on jamais. Et il y avait un loot. Bon, ça va. C'est en dessous. C'est ok.
fromage moisi. Petit roquefort. Ouh, petite anomalie. J'y vais. Ou alors c'est un gros bug de la PS5 et pouf. Explosion de la console. Wow, 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 wow. Kezako. Est-ce que c'est les fameux artefacts de la PS5? Explorer l'anomalie. Je suis sûr que je fais une connerie. What? Oh! Oh, du parcours! Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne, quoi! Est-ce que tu vois ça? Ouais, c'est bizarre. C'est une sorte d'anomalie. Le reste de ta simulation est figé. Je peux voir un paquet de données détachées à côté. Je vais voir si je peux l'atteindre. D'accord, mais doucement. On sait pas ce que c'est, ce truc. Ah, ok, je comprends. Il est comprend. Putain, mais c'est stylé! C'est la hype. Grosse hype. Hein. Désolé, hein, Watch Dogs. Hein. Mais c'est pas demain que je vais rejouer au jeu, a priori. Alors, je vois que là, il se passe un truc, mais là-haut. Bon, on va falloir le faire en deux temps, quoi, c'est ça? Ouais, et là, en gros, si je tombe, c'est la mort, quoi. Ah. Mais... D'accord. Bon, petites énigmes, hein, c'est mignon. Stylé. Ah. Alors là par contre on va avoir un problème. Ouais d'accord. Non pas d'accord en fait. What the fuck. Si je vais dans le rayon ça fait mal? Non. Oui, mais oui, voilà. Les réflecteurs modifient la direction du faisceau lumineux qui les atteint. Ah, donc ça veut dire qu'il fallait que je tire avec... Attendez. Ça aurait été sympa de me donner l'info avant, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, j'ai peut-être fait un doublon. Bah apparemment pas. Non d'accord. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. T'as par contre ce petit bruit là qui accompagne ces pains. Ces petits coups. Réveille-toi, mon amour. Il y a des soldats à notre porte. Ils sont là pour toi. Pour nous. Laisse-les m'emmener. Je n'ai plus peur. Ma colère parlera pour moi au tribunal. Mais on te tuera sans te laisser parler. Et j'en appellerai au conseil. Il faut qu'ils sachent ce que le fou a accompli. Mais c'est Basile. Ils sont là. Ce n'est pas le moment. Ouais, mais c'est la même voix que Basile. Hein. C'est très perturbant. Faut que j'aille au middle. Faut que j'aille au middle en fait. Ou alors, s'il me permet d'aller là comme ça. Attends, je vais me faire baiser en fait dans l'histoire. Je vais me faire baiser dans l'histoire. Ah non, celui-là, on peut pas le toucher.
Attends, mais je vais full me faire baiser. On n'a rien vu. Je vous laisse explorer un peu le paysage avec les carrés. Alors là, on bouge ça ici. On se barre et on va récupérer le rayon de l'autre. Pour la deuxième plateforme qui est là-bas. Là-bas. Bon. Et bon, on a terminé. Bon, c'était pas très compliqué. Alors peut-être que certains ont eu des difficultés, mais bon. Becca, j'approche du paquet de données. Je trouve que c'est assez simple pour l'instant. Il est chiffré, mais rien d'insurmontable. Ah, c'est la règle. Les voilà. Yes, bah c'est comme dans les anciens Assassin's Creed, en fait on peut débloquer les sortes de micro-cinématiques et à la fin on les mettra bout à bout et on aura en fait une petite info sympathique. Trop cool. Trop cool. Donc petit demi-tour pour choper un petit loot. Oh mais j'ai tellement envie de papillonner, j'ai tellement envie de choper tout ça, de... Oh là là. On est qu'à 20 minutes de VOD, cela dit. J'ai vraiment pas la notion du temps en fait là sur ce jeu. Autant sur Watch Dogs vraiment je voyais le temps passer. Mais autant là sur ce jeu vraiment je... Je pense que vraiment je pourrais y jouer, bon juste en tant que joueur, je pourrais y jouer genre 3 heures d'affilée en me disant que merde il s'est passé 3 heures, je pensais que c'était passé 1 heure. Enfin vraiment... Je suis full saucé. Et ça c'est quoi? Attends, légende. L'icône d'un fut. Zélote. Ah, un zélote! Donc un fameux sbire qui veut me péter la gueule, en fait. Ben, ça tombe bien, on passe devant. Ouais, moi je pense qu'on va on va bien papillonner, on va essayer de s'avancer le plus efficacement possible vers, vers la quête principale, mais je pense qu'entre temps, bah, surtout on va essayer de s'occuper du fameux sbire de l'ordre là, pour l'éliminer, comme il se doit. Mais bon, d'ici là, il va se passer plein de choses, des événements, des collectibles où je vais galérer 20 minutes pour les trouver... Bon, je m'emballe pas trop quand au bon déroulement de cet épisode. J'espère que vous kiffez. Vraiment, j'espère que vous kiffez. Mais, oui, d'accord. C'était donc un serpent. C'est donc un deuxième serpent. Il m'a presque surpris ce con. Mais il met plus de temps à attaquer, j'ai l'impression. C'est ok parce que ouais, c'est vrai que dans les anciens c'était un peu limite des screamers les serpents. Ouais et ben je vais appeler le bateau et on va gentiment aller là. Ah, je vois que le zélote se déplace. On va gentiment aller là et peut-être qu'il va se passer des choses. Une petite partie de dés, ce serait cool. Je suis trop saucé par le jeu de dés aussi. L'idéal serait... Oh là là ouais on peut jouer au dés ici. Ah oui mais c'est loin. Ah ouais non, on n'arrivera jamais là-bas à la fin de cet épisode, c'est sûr. Bon. Bon. Moi, clairement, si je fais ça, je me pète le tendon d'Achille. Hein. Je vous le dis. Bon, le bateau. Ah merde. Genre, je peux utiliser la corne pour rien.
Faut voir ce que ça fait dans une zone d'ennemis. Oula. Ouais, ça aurait été cool d'arriver dans l'autre sens, les gars, mais c'est pas grave. Si tu le dis. Bon, c'est dommage pour les pillages. J'aurais bien voulu aller faire un petit pillage histoire de. Histoire de mettre bien le camp. On avait rien à récupérer au passage. Je suis désolé hein, pour les retours sur la carte. C'est bon. Ah, c'était vraiment juste à côté de là où on a pillé comme des sacs le monastère. C'est bon, à chaque fois il se met à jouer du crin-crin juste avant qu'on arrive. Ah oui, c'est vrai qu'il a un putain de système son sur le bateau. Déjà, il y a un truc avec le ballon. Qu'est-ce qui te prend ? Venonis. Au bon lait de brebis. Tu grimpes à la colonne ou pas ? Non ? Ah mais le Zélote il est à cheval. Ah non mais j'espère qu'il va pas se barrer à 10 000 lieues là. Je veux le défoncer. J'aurais peut-être dû le faire avant. Ah non par contre s'il te plaît monte. C'est bon, fallait appuyer sur croix. Bien ton nom. Qu'est-ce qu'il fait, Narudo, là ? Non, tombe pas. Pas trop compris ce qu'elle a fait, mais objet romain collecté. Ah, d'accord. C'était donc ça. Bon, il est revenu ou pas ? Non. Attends, est-ce qu'il revient sur ses pas ? Ouais, il revient sur ses pas, c'est bon. Je vais pouvoir l'intercepter. Y'a pas un moyen de faire un petit saut de la foi des familles là ? Yes. Bon. On va peut-être l'attendre. Hein ? On va l'intercepter. Est-ce qu'il nous voit si je suis là ? Bon, en théorie, oui, parce qu'il est codé de sorte de me voir, sauf si je suis dans les bushs accroupi. Ah, mais il passe par le pont, quel con. Je pensais qu'il traversait le cours d'eau. Mais putain. Ouais. Puissance 90. Alors, est-ce que je peux le tuer quand même ? Ah,
macho. Wow, 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 wow. Non! Ouais. D'accord. Seulement j'ai pas fait chimiter, voilà. Eh merde, reste. J'aurais pu. J'aurais vraiment pu, mais Bon, après il y a moyen de se le redoser, hein. Surtout que sûrement que leur récompense en valent la peine. Ça aurait été intéressant de mettre le bateau à portée pour voir si les alliés ils balançaient un peu de flèches pour Carrie. Ah bah voilà. Je vais mettre ce que je peux. Oh là là, non, vraiment. Putain. D'accord, ouais, je peux rien, je peux pas du tout pénétrer son bouclier, quoi. Non. Au pire moment de ma vie. Là. Oh. J'ai plus de flèches, putain. Ah, okay. Ok. Non mais c'est bon, je vais me le faire. Bon voilà. Voilà pourquoi on va perdre du temps sur cet épisode. Nous avons trouvé. Non mais il est sur mon chemin, je peux pas le laisser vivre. Par contre, vous pouvez la fermer, les gars. Je les entends gueuler comme des cons au fond là. Ah, ou sinon je les appelle vite fait. Attends, on va faire un truc. Ah mais des flèches enflammées, ce serait OP. Dans son dos. Ok, j'ai vu qu'il avait une faiblesse dans son dos. C'est audacieux ça. Merde. Oh putain. Bon, en vrai, je l'ai bien entamé, c'est ok. Et ça, c'est pas du tout ok. La même erreur. Voilà, là. Ok. J'ai refait la même erreur de lui rusher la gueule avec ma perk pour le... Bon, après, appeler le bateau, visiblement, ça sert à rien. Donc je vais essayer de jouer de l'avantage de le faire tomber de son cheval et de le bourrer. Ou éventuellement, à la rigueur, lui balancer direct mon lancer de hache. Hein ?
Et salut à Loïc Lavizette. Non ! Il a récupéré sa vie. Bon après voilà, comme d'hab, hein, je regarde le chat au pire moment de ma vie. Bon ben voilà, il a récupéré sa vie. Voilà, bon bah tu peux me tuer mec, hein. Vas-y tue-moi. Bonsoir. Allez, on commence. Heureusement que les chargements sont rapides. Hein ? Comment ça ? Putain, vraiment ? Il est horrible. Mais putain, mais je t'ai demandé d'esquiver. Non ouais, non mais c'est pas grave. De toute façon, à mon avis, c'était pas sur ce try là. Je suis en train de le perfer, mais... Ouais. En fait, à chaque fois, je lève mon bouclier par réflexe et j'essaie de mettre l'input d'esquive vraiment à la frame, mais sauf que le jeu le comprend pas. L'information est trop rapide pour que le jeu le prenne en compte. Non mais c'est pas grave. De toute façon c'est voilà, c'est comme ça. C'est toujours au mauvais moment. Je m'y suis fait. Ah et putain et... Le pire moment de la save auto. Bon bah j'ai gâché mes flèches. D'accord. Ouais mais vas-y mais... Bah du coup il récupère sa vie et ça va safe. D'accord. Alors comment ça se fait que lui il soit niveau 90 dans une zone à 20? Non mais c'est chiant. Putain, et du coup j'ai moins de flèches qu'avant. Yes. Mais putain. Super. Je pense en fait je peux pas l'avoir si j'ai pas la paire pour lui passer dans le dos. On l'a vu hein, la paire qu'avec les attaques runiques. Genre ça par exemple. Ouais, à moins de vraiment gérer mes dodges. Ouais, non. Je peux pas me le faire en fait tant que j'ai pas. Ou alors il me faut masse flèche. Ce que je n'ai pas actuellement. Et là j'aurais pu le parer. Elle a pas voulu esquiver. Oh mais je te déteste. Non je peux pas me le faire. J'ai pas la capacité de passer dans son dos donc c'est mort. Ça va être très très long. Bah non. Je peux pas me le faire. Je peux pas me le faire.
Il faut que je passe dans son dos, parce que son bouclier, même s'il le lève pas, j'ai mon voilà, j'ai mon coup de hache qui le prend. Et à moins que, je sais pas, il y a un stock de flèches à côté, et là s'il y a un stock de flèches à côté, c'est OP, c'est bon, je peux me le faire. Mais j'y crois pas du tout. Mais sors ton arc. Le coup de bouquet n'enlève pas de PV. Non mais on est d'accord. Mais moi je ne peux pas l'attaquer en fait. Là je l'ai vite fait toucher, ok. Ouais non mais le problème c'est que ouais. On va pas perdre de temps avec lui. Je peux pas le tuer. Bah du moins pas dans ma difficulté actuelle. Peut-être qu'en mode normal c'est faisable. Mais bordel de merde. Ouais lol. Ah mais c'est vrai que si je maintiens j'ai la roulade. Ouais bon. Je vais juste le fuir. Je vais juste le fuir, ça sert à rien. On va pas trop de temps. Ça ne sert à rien. Donc on va fuir. C'est pas grave. Tiens, ça c'est bon. C'est juste de la vengeance. Hein. Allez, salut. Mais... Non c'est bon j'ai fui. Ah peut-être une attaque Scred. Alors peut-être. Non. Oh une attaque Scred peut-être. Il a perdu son cheval. Donc en théorie je peux. Il vient ou pas? Je peux pas. Eh ben je suis pas dégoûté. Bon c'est pas grave. On aura essayé. On aura essayé. Ah remarque il y a des rations et tout. Bon bref. Allez. À charge de revanche. Bah, à moins que j'ai pas compris des techniques de poison. Non, pas du tout. J'ai pas de technique de poison. Après, c'est vrai qu'il y avait des. Il y avait des torches à côté. C'est vrai que j'aurais pu l'enflammer. Mais ouais. Mais attends, mais Ah, pardon. C'est vrai que oui, j'aurais pu l'enflammer, mais je suis pas sûr que ça lui aurait fait grand chose. Je mets fin à mes recherches, il n'y a aucun trésor ici. J'ai dû fouiller tous les recoins de cette grotte, quelqu'un l'a déjà emporté. Il ne saurait en être autrement, peut-être trouverai-je en revenant plus tard avec un regard neuf, mais sincèrement j'en doute. D'accord. Ouais bon, je reviendrai pour le défoncer. Pour le bien de ce let's play, il vaut mieux abandonner. Non mais c'est... Ah, il est battable. C'est juste que faut tryhard genre... une ou deux heures pour choper pile le bon moment. À chaque fois d'esquiver et tout. Et pour le peu que je lui ai enlevé comme vie, c'est assez ridicule. J'ai une torche dans mon inventaire, mais j'ai la flemme. Ah.
Les serpents, je m'en doutais. Super. Super. Il me donne des flèches, hein. Vous êtes sérieux? Il faut que je passe de l'autre côté. Non, non, j'ai pas encore de technique de poison. Bon, heureusement, ça arrive pas. Par contre, porte-le, je t'en supplie. Non, mais c'était sûr. Comment vous dire que c'était sûr? C'est la deuxième fois que je me fais baiser comme ça. Allez, tu peux le faire. Merci. L'empalement au harpon. Kazako. Oui. Empaler un ennemi à l'aide du harpon et projetez-le dans n'importe quelle direction à l'aide de la flèche directionnelle. Les ennemis heurtant des objets ou d'autres ennemis subissent d'importants dégâts. Ah! Mais le harpon, c'est indépendant. Il n'y a pas besoin d'avoir une arme équipée pour utiliser cette technique. Il n'y avait pas des rations ou je sais pas quoi. Ah non, c'était dans le tunnel. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Allez, s'il te plaît. Oh là là. Ah, je suis dégoûté, j'aurais tellement voulu le défoncer. Non, mais c'est en dessous de nous. Ah. Ça veut dire Michel ramène un vase pour tout exploser. Seulement où trouver ce fameux vase? Allez. Attends, j'ai peut-être juste pas vu un truc parce que je suis aveugle. Ouais, voilà. Tout simplement. Ah mais ça me déprime là. Pas avoir pu tuer Michel là et son armure et son méga bouclier. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup? Ah, mais on a ça. Dis donc. Bon, le zélote qui est toujours là, mais le zélote, hein. Nick. T'as cette petite ambiance là, rougeâtre. J'aime l'accès beaucoup. L'accès à cet endroit est interdit. Ah bon? Ah mais d'accord. Ha,
Je suis pas deg. Je perds d'un con. Ah si 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 si. Allez, tu peux le faire. Hop. Et hop. Hop. Non mais ça sert à rien. Enfin si, des flèches mais Ethelward, pour la millième fois, ferme ses saletés de fenêtres du fond. Tous les malfaiteurs peuvent voir à l'intérieur nos affaires, notre matériel. La malheureuse Brandy qui barre la porte, fais-le. Et ben voilà. Ça valait le coup. Ah merde, je peux pas la mettre. Ah, dommage. Merci à tous. Quel arnaqueur. Vos boucliers ? Non mais toi, je veux même plus entendre parler de toi en fait. Et comment ça, un nouveau bouclier ? Putain, je viens d'upgrade le mien, vous êtes sérieux ? Ouais, non mais remarque, de toute façon c'est un stuff du corbeau, donc j'ai quand même envie d'avoir le bonus. Hop là, il a fait son petit demi-tour. Parfait. Ah mais c'est loin. Bon, on a le point de synchro. Bon, nous l'objectif ce serait, avant la fin de cet épisode, d'aller gérer les bails là-bas. Et peut-être éventuellement se laisser sur une partie de dés si on a le temps. Ah. Bon, tout ça, vous en doutez, un jour va falloir y aller. Hein. Mais on n'a aucun point de TP pour y aller rapidement. Et ça c'est la tristesse. Hein. Franchement, je me serais écouté, j'y serais allé. Mais bon, je vais m'abstenir. Là, j'aurais presque pu le prendre ici, le mec, finalement, parce que j'avais un petit stock de flèches en rab. Minute 30. Ah, j'étais presque chaud pour faire un petit golf après. C'est le golf, c'est la vie. Ouais, c'est quand même space que lui, niveau 90, soit là, à nous emmerder. Mais c'est presque tentant d'aller là-haut, quoi. Franchement, les gars, je suis désolé, mais tant qu'à faire. Mais il y a tellement de choses ici. C'est quoi tous ces loot? Mais j'ai envie d'y aller. En plus, il y a une musique mystique. Il se passe quelque chose là-bas, c'est sûr.
Ah ouais, mais il y a l'autre, allez, bref. Et en plus, je stresse parce que je me dis qu'on a 15 jours pour valider tous les chapitres de la quête là. Et ça me fout une pression parce que je sais pas ce qui nous attend du coup derrière. Non. Bon, le cheval. On a des choses à faire. Alors, est-ce que je traverse maintenant? Ou est-ce que je me dis non, YOLO, on va là-bas? Parce que franchement... YOLO, on va direct là-bas. On a le point de synchro. On pourra aller... Ouais, non, vas-y. Y a trop de choses. Ah, puis cette nuit. Hein? Mais attends, mais le cheval, normalement, il peut pas aller dans l'eau avec moi? J'avais vu ça. Mais tant pis. La nouvelle technique avec le harpon. On voit rien, c'est insane. Un autre ? Ah, j'ai mal au genou, putain. Très mal installé. La zone est maudite, trouvez la source de cette malédiction et détruisez-la. J'ai la manette qui vibre énormément. Il y a sûrement un piège. Bah, il y a surtout du gaz en fait, Michel. Micheline. Pardon. Ne va pas dedans. What? Dans le puits? Ah, peut-être dans le puits. Est-ce qu'on va avoir le droit à Blair Witch? Bah, franchement, s'ils ont intégré Blair Witch, je suis trop hypé. Pourquoi je sens que ça a mal se passer là-bas? Eh, hey, on a deux points de compétence, on va pas se priver de les mettre. Hein. Vu la branlée à répétition que j'ai pris face à l'autre là. Bon alors c'est vrai que depuis le début, je suis à fond dans ces embranchements.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas un truc intéressant? Je suis pas très convaincu. Moi, je suis pas très convaincu, hein. On va rester sur, sur ces embranchements-là, écoutez. Ce serait peut-être bien de finir... Bon, la maîtrise de la lance, encore, ça peut attendre. Allez, si tu veux. Attends, pourquoi cette... Ok. Je suppose que ça a de la valeur. Bon. Attends, les provisions. Voilà. On est bon. Ah oui, mais c'est un endroit où ça va chier en fait. Je ne dois pas être vu par ici. Attends, mais il faut que je la mette manuellement la capuche? Ok. Super. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il m'a détecté, mais pas vraiment. Oui, bon, on va éviter. On va plutôt essayer de l'attirer quelque part. Mais avant ça, j'aimerais quand même défoncer les deux zigotos là. Je peux pas. Je peux pas tirer dedans. Il y a le bouquin qui fait du bruit. Faut trouver un moyen d'entrer là-dedans, je suppose, pour aller en dessous. Peut-être y mettre le feu. Ah, mais il reste encore tellement de mecs. Attends, mais c'est lui le mec trop balèze là.
C'est cool. C'est vraiment cool. Ok, il y a même des mecs en dessous. Ah, je vais sûrement en avoir besoin. Quel gros débile. Bon, du loup, t'es... Attends, mais c'est insane, c'est super grand. Me foutez pas des araignées dans les toiles, s'il vous plaît. Hein. Oh, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont nous mettre une araignée géante. Pour l'arc. Concentration des nornières. Exploitez le pouvoir des nornières pour viser et abattre vos ennemis avec une vitesse fatale. Ah. D'accord, mais il y a encore plein de loot. En plus, il est vite, quoi. Faites un effort, les gars. Non ? D'accord. Bon. Je veux juste faire un petit point sur... Pardon. Ah mais c'était un autre accès. Tout simplement. Putain, je commence à avoir la dalle. C'est terrible ça. Peut-être que pendant la pause je vais me couper Oula. Je vais me couper quelques petites tranches de sauciflard. Le pire streamer qui bouffe du saucisson. Ah. Mais attendez, je fais une expérience parce que ça me perturbe cette sorte de porte barricadée là. Oh, mais les flammes sont dégueulasses, les gars! Eh, faut vraiment qu'ils fassent un effort pour modéliser les flammes. Hein. Le pire, c'est qu'avant, je crois qu'ils faisaient mieux. Alors, c'est bien beau tout ça. Mais comment j'accède à l'autre loot ? Attends,
Attends, ils me font rip-hop le vase. C'est pas pour rien. Comment j'accède à ce loot? Pas de passage ici. Oh, ça va m'ulcérer. Ça y est, ça commence. Ce qui est quand même étrange, c'est que ouais, ça se trouve un peu dans ce dans cette zone là. Hein, à moins que, peut-être, on y croit. Ah, peut-être en passant par là. Si c'est ça, c'est cool. Il y a moyen. Il y a moyen que ça soit ça. J'espère. Oui. Yes. Oh non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais non. Mais non. Ça veut dire sinon que j'ai oublié, j'ai zappé un embranchement dans les on va monter là-haut si le perso veut bien. Y'a pas un passage dans le toit? Bah non. Un passage sur le côté. Je vais vriller. Je vous le dis, je vais vriller. Et là, là, ça a été creusé, dégueulasse. Bah, il y a un passage que j'ai pas vu. Tout simplement. C'est vraiment par là. Mais ouais, mais là on accède au... Ok, je suis ok, mais il y avait rien d'autre, hein. En fait. Ou alors quoi, ça m'est interdit parce que j'ai pas la quête principale? J'ai pas une quête qui me permet d'y passer? Parce qu'on voit à travers. Clairement, on voit à travers. Donc c'est peut-être juste parce que j'ai pas une quête et que donc je peux pas accéder à ça. Je crois que c'est ça. Non mais ne. Clairement, c'est pas sous l'eau, hein. J'ai bien regardé, il y avait pas. J'ai presque envie de faire du Google pour avoir l'info en fait. Parce que si c'est pas le scénario, alors je comprends pas. Ah, mais je supporte pas ça quand on nous interdit des accès.
Bon, cela dit, c'est vrai qu'on se mettait dessus sur la carte, il y avait la musique mystique et tout, donc ça se trouve, c'est juste un endroit important. On y reviendra. Vous savez quoi? Bah, j'ai mon nom qui est sur le nom de, du bled. C'est à quoi on va faire un Google? Juste pour, ce, pour que j'ai l'info, que de manière générale, je m'inquiète pas en fait si je vois ça. Parce que ces fameuses... je suis sûr qu'on va, les, on va en revoir des portes comme ça. Alors c'est quoi, c'est... Of Church. Si vous voulez faire un petit plaisir dès vos premières heures en Angleterre, on vous recommande une visite amicale au monastère of Church. Dans ses sous-sols, deux armes lourdes et un précieux lingot de carbone vous y attendent. On vous dit comment ouvrir la porte de la crypte fermée. Si vous comptez pénétrer dans la crypte qui contient ces deux trésors, vous devrez d'abord avoir accepté la mission du scénario faire pencher la balance qui vous mènera logiquement vers Of Church. Vous pouvez toujours tenter de la faire exploser, mais vous aurez tout de même forcément besoin de la clé détenue par un ennemi de la quête associée pour ouvrir toutes les portes. Eh ouais... Donc on n'a pas la quête, et donc on peut pas y accéder, et donc ce n'est pas un open world, si c'est dirigiste comme ça, et je vais m'énerver... Aïe 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 aïe. Et ça c'est un truc qui me rend malade dans les open world, c'est quand on te fout des trucs sous le nez et que tu peux pas les choper quoi. Bon bah du coup il nous manquera juste un loot quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je teste Il faudrait que je teste toutes les combinaisons d'armes, voire oublier un peu le... Ouais, oublier éventuellement le bouclier et mettre une deuxième hache ou tester une lance. Ah non mais la lance elle est à... Je crois que la lance est pour la main principale ou c'est à deux mains? Bah faut voir, ça peut être stylé en vrai. Et jouer que du dash. Ça peut être stylé. J'avais limite même pas besoin de les tuer. Allez. On va dire ça comme ça. Bon, et ben du coup je suis bien dégoûté. Bien dégoûté. Bon. On va prendre le bateau. Et on va laisser ça de côté pour le moment. On va essayer de se diriger. On va essayer de faire ce que je voulais faire pour la fin de cet épisode. Donc au moins s'occuper de ça. Et éventuellement si on va assez vite faire la petite partie de dé en s'avançant. Donc déplacement rapide vers le bateau. Allez, on avance. Là, j'ai perdu beaucoup trop de temps entre l'autre boubours là qui m'a tué à l'infini et cette crypte des enfers là. Là, je suis trop dégoûté de pas avoir pu choper le loot. On serait bien que je mette un petit ping vers là où je veux aller, genre là. Hop. La voie.
Mais ouais, on va essayer de se manier quand même d'aller faire cette quête principale, hein, vu qu'il faut faire une alliance. Mais cette quête principale, c'est pareil, va nous emmener faire des... ça va nous demander de faire des trucs un peu dingo, quoi. Plus là on est le 22, on a pas 6 minutes donc on est le 23 décembre, en sachant que le 24 je ne suis pas forcément à la maison à fêter Noël. Et bien longtemps que j'ai pas fêté Noël moi. Car quand je dis fêter, c'est un grand mot. Étant donné que je suis à plus d'une heure de route, j'ai pas le droit de picoler. Parce que c'est moi, c'est Bibi qui conduit. Mais bon. On a commandé un gros chariot. Oh le bâtard! Oh la lance! Mais j'avoue, la lance, la portée, elle est ici! Oh, je suis trop loin! Non! On a déjà passé trop de temps ici! Je suis tellement trop loin! Cette BO qui est cool, hein! Parti. Wow, wow, wow. Il faut que je maintienne carré pour faire la roulade et ça le jeu ne me l'a jamais dit. Mais ah, elle fameuse arme à l'étrier qui est faible. Vous êtes plein? Aïe. Non mais attendez là, je suis ok, c'est la fête, on s'ambiance, mais sors ta tête là. Il abuserait pas un petit peu lui?
Non mais... Bon. Allez, la ferme. On a tout eu ? On n'a pas tout eu. Pas du tout même. Ok. Et de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait un coffre aussi. Bon, je fais un petit plouf, je vais de l'autre côté, je reviens. Yes, et du matériel. Oui, par contre, là, cette histoire de capuche, je sais pas si on peut activer. Putain, vous savez quoi, on va le checker maintenant, ça. Menu. Je veux savoir en fait s'il y a un moyen d'activer automatiquement le la cape. Ah, d'accord. Il n'y a pas moyen, donc il faut qu'on l'active par nous-mêmes, c'est pensé comme ça. Y'a plus rien là-dedans. On va peut-être arrêter nos conneries. Non, mais on annule tout. Allez, Viking. Allez, salut. Ah oui, moi je suis passé par là. C'est audacieux. Ok. Bon, on a une demi-heure. C'est inaperçu. Ah non, mais là, le met par défaut. Ok, donc il doit y avoir des ennemis qui traînent dans le coin, qui, ouais, vont... Bah, tu sais quoi, lui, je le tue, comme ça, y a pas de doute.
Ah, c'est beau, c'est cool, enfin vraiment les... Je suis désolé hein, si je me hype pour rien, mais mais en vrai... Alors, est-ce que comme à l'ancienne, s'ils commencent à me voir escalader, marcher sur les toits et tout, ils sont là en mode putain merde, qu'est-ce qui branle ? Je pensais que j'aurais l'opportunité de l'assassinat Dommage. Ouais, je pensais que j'aurais l'assassinat enchaîné C'était le projet en fait. C'était que je snipe le mec pour hop sauter sur un des deux en dessous et paf avoir l'enchaînement et tranquille. Bon. On a le trésor des assassins qui est en dessous de nous. Donc potentiellement passer par l'intérieur de cette bâtisse. T'as, c'est vraiment à l'ancienne hein. C'est stylé. Regarde la porte hein. J'ai failli faire une connerie. Qu'est-ce qu'il fait? Il me semble que dans les anciens Assassin's Creed, il y avait un système de notoriété. Et si justement on faisait le toc dans une ville... D'accord, donc pour lui, une échelle est un obstacle visuel. D'accord, c'est bon à savoir. C'est quoi, j'ai même pas envie de batailler. Voilà. On va dire ça. Hein. L'autre côté doit être barricadé. Hein ? Comment ça ? Vous vous foutez de moi ? Ça aurait été intéressant aussi qu'il y ait un système de... une sorte d'animation qui permette quand on tue un mec, même s'il est à découvert et qu'on n'est pas dans une cachette d'office, d'enclencher une animation qui permet de le tirer légèrement. Pour... même si c'est dérisoire, mais le planquer un tout petit peu.
Bon, et le carquois, c'est quand qu'on l'améliore? J'en ai plein le cul là. 12 flèches, c'est bien, mais plus, c'est mieux. Ouh là là, il y a plein. Non, je veux pas aller dans le magasin. Il y a plein de coffres dans cette ville. Alors, 56 contre 67, 67 contre 61. Donc, niveau étourdissement, c'est insane. Tir dégâts dans la tête, 32. Vitesse 49 contre 40. Ok, poids 12. Ouais, donc en sachant en plus qu'il n'est pas amélioré, donc en vrai, il pourrait être vraiment full vénère. Mais c'est un arc léger. Donc des dégâts qui sont forcément moins importants. Bon, on a 1 milliard de coffres à choper dans la ville. On a ça à choper. On n'avait pas l'info avant. Bah, vous savez quoi, on va y aller direct. C'est quoi, on va peut-être même choper ça d'abord. Comme ça, hop, on chope ça, on retourne au TP. Ouh, mais attends, il y a ma cible là. 2 secondes. Ma cible est là. C'est pas lui qui est en plein milieu là? En train de faire le kekos devant les marchands là? Il faudrait tellement que je me fonde parmi les habitants pour le tuer. Vraiment comme avant quoi. Ou alors Nick. YOLO. C'était pas lui. On annule tout, c'était pas lui. Non mais c'est bon, c'est voulu. Je sème le trouble. Et c'était lui. Mes kennings de combat se font rares. Je ne suis plus le roseau parmi les boucliers. Le sang étincelant. Le briseur de crâne. Le fléau des chemins des cygnes. La pince de fer. Le prêteur de Silvergeld. Je voulais seulement être indépendant. Écrire moi-même mon histoire. Tu rejoindras le Valhalla, un poème sur toi. Ouais, non, mais ouais. Bon, il faudra s'occuper d'elle. Il faudra s'occuper d'elle. Après, ça se trouve, c'est comme dans les anciens Assassin's Creed. On peut tomber. On peut tomber sur eux en mode random. On peut tomber sur eux en mode random et les tuer et sans avoir pour autant les indices qui nous disent ouais c'est lui, il est là. Bon, je suppose que pour ce loot là il faut que je passe par les par l'accès ici. Ça, je veux bien. Ration complète, d'accord. Ah mais j'ai la dalle, c'est terrible.
J'ai cru qu'il y avait un mec qui m'attendait en mode au calme dans sa caverne là. Objet romain collecté. Bon, je suppose que ça augmente, ça nous fait avancer dans le codex, ces objets romains. Eh, tant qu'on est dans l'obscurité, je vais voir un peu la torche. Ouais, ça va. J'ai vraiment un gros problème, par contre, vraiment avec la modélisation des flammes. Ubisoft, franchement, faites un effort. Parce que c'est... Autant le jeu est genre super beau et tout, il n'y a aucun problème. Par contre, vous allez pas me dire que vous pouvez pas faire mieux pour les flammes. Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a un peu... il y a dissonance visuelle. Oh, puis la propagation des flammes, n'en parlons même pas. Hein. C'est... Bah en fait, je crois que ça, ça n'a pas évolué. Quand je vous ai dit que finalement, c'est vraiment le même moteur graphique qui a juste été un poil lissé dans sa globalité. Ou presque. Bah c'est le cas en fait. Parce que quand vous regardez Origins, je crois que le pire, c'est que je crois que sur Origins, la propagation du feu, elle était mieux que sur Odyssey déjà. Elle était un peu plus bordélique, mais... Mais après tout, le feu, c'est bordélique. C'est bon ? Y'a plus rien ? Y'a plus rien. Bon, micro TP. Non ! Y'a un truc. Ouais, c'est trop important les petits coffres. Et encore une opale. Ouais, on a un milliard de trucs à choper. Bon. Comment vous dire? On va essayer de... On va full clean la ville, ça c'est sûr. Par contre, on va pas aller plus loin que toute la ville. La prochaine fois, on fera un grand tour. Voilà. On fera un grand tour et on arrivera par là. On fera la partie D, on fera ça, on fera ça. Ça, c'est sûr. Et du coup, ça va nous emmener ici. Et je pense que du coup, on le fera parce que c'est juste à côté. Et quitte à remonter au nord et voilà. Ah, et on peut faire des pillages qui... Ou 250 non. Mais celui-là, on peut le faire. Ok. Ouais, vous savez quoi, j'ai même pas à faire la TP. Mais prochain épisode, ce sera encore une fois du papillonnage. Donc, c'est marrant, mais j'ai l'impression que... Globalement, sur ce let's play, on va trouver un équilibre comme ça. C'est genre un épisode vraiment où on essaie de se concentrer sur la quête principale comme on peut. Et les épisodes suivants, ben, en fait, on va faire du papillonnage pour compenser sur nos progressions. Il y aura peut-être des épisodes rectificatifs. Oh. Dans le lot, il y aura peut-être des épisodes rectificatifs, mais globalement, je pense que ça va se passer comme ça. J'adore parce qu'ils ont vraiment pas réagi. Hein. Il y a v'là les vases qui ont explosé. Et non, c'est bon. Oh, faut pas trop en demander, il y a du billet. Hein.
Ouais, et ben ce point d'interrogation, ce sera pour la prochaine fois. Hein. J'ai pas envie de m'embarquer dans un délire sans fin là. Oh, excusez-moi. Mais le jeu donne vraiment envie. C'est juste que là, bon, en vrai, j'ai vraiment perdu l'habitude de faire des jeux comme ça, surtout sur de la découverte. En vrai, les open world cette année, on en a pas fait en découverte, je crois, des open world. Bon, alors ma mémoire me joue des tours, mais il me semble pas. Non, parce qu'on a fait Horizon, mais c'était pas de la découverte pour moi. Ah non, non, s'il te plaît, non, non, non. Ouais, et donc je suppose que Michel et sa clé, c'est pour ouvrir le coffre qu'il garde précieusement. Bon, on va essayer de monter pour voir. Yes. Les gardes sont vigilants par ici. Je me suis fait griller ou pas? Non, par contre, il y a un corps qui a été détecté. Ok. Nul n'échappe à la sorte. D'accord. Avec moi, suivez mon exemple. Mais du coup, la capuche. Bon, il est où? Il était là, dans la pénombre. Il s'est pris pour Batman. Je vais le calmer. Hein. Oui. Et là, elle a remis sa capuche. Mais genre... Ah d'accord, ok. Donc je pense que la capuche s'enlève à partir du moment où on est un peu genre détecté. Ah mais il y avait une quête là, il y avait un événement. Attendez. Je suis fou ou... C'est vrai qu'on pourrait mettre plusieurs pings. Donc désolé d'avoir perdu autant de temps comme ça. Mais bon, c'est comme ça. On découvre. Et en vrai, je me fais vraiment un putain de kiff à découvrir ce jeu avec vous. J'avais vraiment hâte de pouvoir récupérer le PC pour profiter de... Bah, profiter de mes jeux et tout, parce que voilà, pour moi c'était juste impossible que je lance... Hein ? Ouais, pour moi c'était juste impossible de lancer des jeux sans les records au minimum. Répéter ?
Tu as entendu? J'ai besoin d'eux. Deux de vipères. Ces fils de chiens refusent de s'en aller. C'est mon coin. J'étais là avant. Alors comme je te l'ai dit, apporte-moi des œufs de vipères et je ferai en sorte qu'ils partent pour de bon. Je ne pensais pas passer ma journée à provoquer des serpents. Mais ça pourrait changer. J'ai compris. Tu veux une récompense. Apporte-moi ces œufs et tu l'auras. Oui, encore. D'autres œufs de vipères. Oh, ça... Ça va beaucoup mieux. Je sens que ça vient... Oui, c'est pour bientôt. Apporte encore des œufs. Oh non. Il m'en manque un. Je suis dégoûté. Ah bah yo. Voilà. Ah mais non mais d'accord, ok, c'est des stacks. La première fois 2, après 3 et la 4. Où est-ce que je trouve des serpents? Là? Si l'on me voit, je suis en danger. Est-ce que j'en ai assez? Y'a pas d'autres serpents dans le coin? Là? Ça devrait être bon. On les a tous tués, ça devrait être bon. À moins que ça arrive pop, mais je pense pas. Bon allez. Alors ça là, je m'étais fait un petit peu spoiler sur une critique de jeu. J'en ai entendu parler de cette quête. Je savais que j'allais le regretter. J'ai cru que mes boyaux allaient sortir. Oh, j'aimerais bien voir ce que ça a causé là-haut. Ma récompense, avant que je ne t'étrangle. Comme convenu. Alors, tu n'as rien à dire après une bourrasque pareille? J'en ai le souffle coupé. Mais je trouve vraiment cool. Clé de porte des égouts. Quoi? Ah, pour aller chercher le coffre, il doit y avoir une porte que je n'ai jamais vue. Parce que je suis aveugle. Ouais, et ben on aura pu faire malheureusement qu'un petit tour de la ville et au pire on va se finir sur le petit concours de boissons. Voilà. Bon, on aura tué la cible et c'était l'objectif. Je suis assez content. Mais ouais, mais en 2 heures on n'a pas... Bon après je trouve que voilà, tout ce qui est activité et collectible et compagnie, mais... Je trouve ça beaucoup plus clair dans le sens où c'est un peu moins le bordel en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors là par contre ça c'est... Merci. Ouais, ça fait un peu moins bordélique. C'est vrai qu'Odyssée, il y a un moment où ouais ça saoule, on a envie de décrocher. Enfin on décroche parce que... Au secours quoi.
C'est trop... bon. Le bateau, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, on s'emmerde. Oh non, non, mais non, mais non, mais non. S'il te plaît. On va y arriver, hein. Allez. Il y a quelqu'un à qui on peut parler ici, je suis très curieux. Bonjour et bienvenue. Écurie et volière, on trouve des dresseurs d'animaux près de chaque ville. Il est possible d'y acheter et d'y personnaliser des animaux. Mais genre... Nuance de bleu. Mais ça me coûte des sous. Non mais... Je dois partir. À bientôt. Du coup, j'ai un loup en monture. Terrible. Bon, d'accord. Bon, y'a rien au-dessus, non, donc c'est pas là. Là, y'a des ennemis. Ok, le passage qui est là. Bureau de Ratae. Ouais, hein, on les contourne. On va pas se lancer dans un combat maintenant. Mais c'est insane en vrai, putain, franchement, enfin bon. Vous allez me dire oui, mais ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est simple pour développer, mais non, franchement, putain les gars, c'est pas simple. Et c'est la grande force de Ubi de toute manière hein, pour proposer des open world qui font le café. C'est vraiment c'est un tout. Hein? Mais on est venu là plus tôt. Oh non. Bah ouais, bah on l'a dans le cul. Attends, attends, qu'est-ce que je cherche là? D'accord, j'avais pas capté ça comme ça. Donc on a trouvé un bureau, donc planque d'assassin. Et sûrement bah, que du coup le loot d'assassin il est. Comment ça? On m'explique là. Bah non, plus bas. Là-dedans ? Ouais. Mais non, mais oh là là. Je commence à fatiguer. C'est là?
On y est? Vous vous foutez de moi, j'espère. J'aime mieux ça. Oui, donc l'intérêt de trouver les bureaux, c'est, je pense, systématiquement trouver un loot. Ouais. Parce que là, en gros, ce qui nous pingait, c'était le moyen, le cheminement pour trouver. Bah, le moyen en fait de passer dans le. Enfin, de, voilà, de débloquer le passage quoi. Cassez-vous les rats! J'avoue que attaquer à deux mains. Faut que l'amour hein. Contrat de ceux qu'on ne voit pas. Espionnage. Les pourparlers avec l'empereur Marc Aurèle ont été fructueux. En échange de la cessation des hostilités dans le nord, les Romains ont accepté de se retirer du mur d'Antonin. L'empereur Marc Aurèle a la réputation de respecter ses engagements, mais une vérification par nos soins s'impose. Vous savez quoi, celui-là, ça fait 3 heures qu'il veut sortir. Il convient de dépêcher un des nôtres du rang de magister afin de suivre les mouvements de troupes et de vérifier que ses ordres sont appliqués à la lettre. Pardon ? Entre... Attends, comment ça ? Merde! Bon, c'est pas grave. On a loupé l'or sur les assassins. Donc on a des gants pour... on a des gants du stuff d'assassin. Donc ça veut dire qu'on va potentiellement... Il y a quoi, 6 bureaux? Ouais, donc ouais, en gros, ouais, on va avoir 6 6 équipements liés aux assassins, quoi. Ah, mais ils sont directs. Augmentation de dégâts d'assassinat s'y accroupit sans être détecté pendant 10 secondes. Augmentation supplémentaire de dégâts de tir dans la tête. D'accord, bon, c'est pas foufou, mais ouais. Bon, ben on a ça. On va voir à quoi ressemble le full stuff à la fin. Bon, est-ce qu'il nous reste des trucs à récolter? Parce que je vois. Oh, on a dépassé les 2 heures de VOD. Bon, il nous reste ce petit coffre ridicule. On n'aura pas fait le concours de boisson. Faudra que je pense à le faire la prochaine fois. Faudrait que je regarde en fait les achievements de... Les achievements du jeu. Pour voir... Les petites choses à la con à faire. Ah, si on peut platiner le jeu, ce serait le premier jeu platiné sur PS5. Ce serait incroyable. En tout cas, c'est un épisode plutôt sympa. On n'a pas fait grand chose, hein, comme d'hab, hein, mais petit à petit, on avance. C'est l'essentiel. Donc, j'espère que vous kiffez ce let's play. Et bah, du coup, on se retrouve très vite pour un épisode qui sera, ça, c'est certain, de l'épisode d'exploration.
Et je vais essayer de tout boucler en un épisode, mais je vois qu'on a un pillage ici possible à faire, et il faut le faire. On a énormément de choses à choper ici, on a toutes ces petites ressources ici. Bon, après, dans tous les cas, voilà, la petite TP rapide pour hop, revenir sur nos pas est possible. Moi, je pense en vrai qu'on va se faire un beau tour de terrain. Donc, foncer sur ça, hop, ça, tout ça, clac, revenir là. Quitte à descendre, traverser l'eau, paf, choper ça. Ça. Allez, choper ça. Éventuellement, voir pour la partie D. Parce qu'on en serait vraiment pas loin. Peut-être aller par là, mais j'ai peur en fait que d'autres choses soient dispo sur la map. Donc éventuellement m'abstenir pour aller faire ce point de synchro. Et ouais, s'abstenir aussi pour ça. Du coup, ça veut dire prendre le bateau en suivant, grimper, aller chercher ce petit pillage des familles. Et notre quête principale est où? Notre quête principale est là, donc pas du tout par là où on irait en fait. Donc ça voudrait dire revenir ici en TP en suivant pour passer par la gauche. Ouais. Eh, on pourrait presque bah ouais prendre le bateau et ouais on reviendra là pour faire le point de synchro à ce moment-là. Et à partir de là, je pense soit ouais descendre pour choper ça. En vrai, ce serait pas à négliger en vrai, parce que vraiment c'est juste 2-3 bricoles, donc faudra le faire. Donc peut-être que le prochain épisode sera genre bien long pour qu'on se mette à jour. Mais bon, je vais essayer d'optimiser quoi. On verra bien. Bref. Des bisous YouTube. Et à très bientôt. Portez-vous bien.